Tiens. Ouais, maman. Pardon, partager, partager. Ouais. J'ai porté ma part aujourd'hui. Ouais. Seigneur. Ouais, partager. Vous n'êtes pas en direct. Partager, s'il vous plaît. Partager, partager. Monsieur là, prends le drap là, tu mets sur elle. Prends le drap, tu mets sur elle. Essaye même de souffler un peu. Prends le, mets le ventilateur, maman. S'il vous plaît, partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez massivement. Hé, hey, maman. Michel, prends même la couette. La, prends, lui, prends la couette. Tu mets d'abord sur elle. Tu prends, tu appelles les gens là, qui, avant qu'ils arrivent là. Tu mets la couette. Les gens en doute. Mets la couette sur elle. Mets la couette sur elle, maman. Mets encore l'eau avec le sucre là. C'est mieux que les pompiers là viennent la chercher. Parce que c'est des choses que... Ouais, Seigneur. Oko. Pardon, on s'excuse, hein. On s'excuse. Je l'ai bien vu, là, il y a eu un malaise. Donc, ces malaises-là se multiplient. C'est mieux que j'appelle les pompiers. Pardon. Pardon. C'est mieux que j'appelle les pompiers. Priez, pardon. Priez. Allô? Je ne vais pas rester longtemps. Oui, allô. On a appelé les pompiers, ils sont en train d'arriver. Parce que c'est bon. Ils sont à quel niveau? Ils sont en train d'arriver en bas là. Pardon, maman, il faut que. On va prendre les pompiers, pardon. On ne peut pas. Appartement je ne peux pas continuer le live comme ça. Quelqu'un va venir tomber ici, hein? Appartement 1015, premier étage. Voilà, maman, pardon. Pardon, monsieur, là, pardon. Je suis au premier étage. Oui, pardon, maman, pardon. Pardon. Appartement 1015. Pardon, maman, pardon. Oui. Elle va faire une autre fois. Oui. Peut plus, on ne peut pas faire l'émission. Oui, elle a eu du malaise, d'accord. Maman, pardon. Oui, d'accord, nous attendons. D'accord. Pardon, elle ne peut pas continuer. D'accord. Oh, merci à tout de suite. Ils sont en train d'arriver, ils sont pas loin. Aïe, aïe, aïe. Ils sont à côté. Ouais, quelle femme de tuer, maman. Ils sont à côté, ils sont pas loin. Elle ne peut pas continuer. Les clés, mets les clés. J'ouvre la porte. Elle ne peut pas continuer, c'est mieux, on arrête. Marjane, ça va un peu, maman. Hein? Ça va un peu. La poitrine. Hein? Pardon, attends, on a appelé les pompiers, ils vont venir. Tu as compris? Ils vont venir. On a appelé. Oh, Michel, tu les as tombés. Quand tu me marches en regardant, tu vas tomber pour rien. Est-ce qu'ils sont déjà là? Quand ils vont arriver, ils vont appeler nos mamans. Hein? Tu peux regarder en bas? Non, je suis là. Allez, soulève le truc ici. Eh, Seigneur, mon Dieu. Laisse-moi ouvrir le talon, j'ouvre la porte. Ils sont là. J'ai pas un peu le tu là, tu mouilles sur son corps. Bon, on vous revient après, pardon, quand on va accueillir les pompiers, prends même le sopalin là, tu appuies, mais avec l'eau froide, tu mets sur ça, sur son fond. Comme ils viennent là. Pardon, mais on va vous rappeler. Je vais revenir après. Il faut qu'on accueille les pompiers. Si ouvre la porte qu'ils entrent, non, maman. Pardon. C'est ça qui est mauvais avec les gens. Salut, salut. Oukou. Maman. J'ai dit que. Bon, c'est pour vous rassurer. Hein. Bonsoir à tout le monde. C'est pour vous rassurer. Elle a eu un malaise, hausse de tension, mais ça va. Là, on s'occupe d'elle et puis on va rentrer. On attend. Mais bah, ça va aller. Ils l'ont amené à l'hôpital juste par prudence. C'est hausse de tension, tout ce qu'ils ont raconté. Ils vont un peu faire un truc. Comment il fait froid, ça qui m'énerve alors les affaires des urgences laissées en belle frère. Aïe. On va pas rester longtemps. Hein. C'est juste une petite hausse de. Hausse de quoi, monsieur là? Hausse de tension. Hausse de tension. Hein? Tension très élevée. Voilà, donc il s'occupe d'elle. Donc c'était pour vous rassurer que ça va. Donc il n'y a pas.
ça va. Ils vont se quitter là. Après, il va rentrer à son hôtel. On va rester là jusqu'à ce qu'elle sorte. Ouais, c'est ça. Non, ça va, ça va, ça va. C'est juste une hausse de tension. Il l'a amené par mesure de prudence. Hein, sinon, ça va. Donc, on ne va pas rester longtemps. Il fait très froid, pardon. Oh, Colo, maman. Aïe, aïe, aïe. Ça va aller. On ne peut pas continuer l'émission là, franchement, parce que. À la lui où ça allait là, elle a fait, je sens, hey, j'ai eu peur, hein. Franchement, j'ai eu peur. Tu sais, quand tu as vécu une histoire comme ça, tu revis ça, c'est pas facile. Donc, quand elle va sortir, on va l'amener à son hôtel, parce que demain, elle va rentrer. On va l'amener à son hôtel, et puis, on va rentrer. Elle était quoi? Ouf, fait froid, mon froid. Donc, ce qu'on va faire. Non. Oui. C'est où le train? Pardon? C'est où le train? C'est là-bas? Ouais. La route, ouh là là, il fait froid. Ouh là 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 là. Ouf! Et il t'arrache ton sac, maman, mettons. Hein? J'ai peur. Hein? Hein? Ouh là 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 là. Fait froid, maman. Bon, les Lolomania, la Team TV et tous les sympathisants des réseaux sociaux, on va rester un peu là. On va attendre. On va attendre que tout. Qu'elle essaie d'aller mieux, non? Je devais même sortir aujourd'hui, comme depuis, je ne suis pas sorti, je suis resté à la maison. Si on la libère plus tôt, parce qu'ils ont dit là-bas que c'était hausse de tension, hausse de tension. Donc ils vont essayer de voir comment ils vont faire. La ciel, on la libère dans 2 heures, il va quand même sortir parce que je suis étouffé. Franchement, je suis étouffé, j'ai envie de boire. C'est une histoire là-bas. D'habitude, comme on dit, c'est avant, j'aimais trop pleurer dans mes lives. C'est le baron pendant moi qui m'a dit que les journalistes ne pleurent pas. Hein. Mais là, aujourd'hui, franchement, je me suis tellement retenu. J'ai bloqué, à la fin, j'ai craqué. Franchement, parce que son histoire fait vraiment mal. Cette femme, elle est détruite, quoi. Vraiment. Mais c'est en enlevant tous les problèmes, tout cela. Elle a besoin de nous, franchement. Elle a besoin de nous. Arrêtez avec vos critiques à deux balles. Quand une femme est amoureuse, quand une personne est amoureuse, parfois, elle s'oublie. Je vous jure. C'est un moyen que la paix d'amour, là, ça ne peut plus exister chez moi. Tu es venu. Appelez-moi les 14, c'est votre problème. Dis que, oh, elle est, je n'en ai rien à foutre, maman. Je suis devenu Donna Benja. C'est lui qui vient mal. Il finit avec. Et je ne suis plus à l'appel à que ma soeur. Hey! Si on vous raconte nos histoires, vous allez dire que, ben, les femmes, si vous allez le cœur. Je le dis, là, elle n'est pas la seule. Il y a des milliers. Comme ça, plein. Donc, moi, celui-là, je dors bien, jusqu'à ronfle. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas même un peu. Ça ne chauffe pas. Oh. Les histoires des hommes. Même les hommes aussi souffrent aussi des histoires d'amour. Vous savez pas, c'est pas les femmes. Même les hommes souffrent des histoires d'amour. Quand tu vois les clochards dans les métros là, vous croyez que les clochards là souffrent de quoi? C'est l'amour. C'est les relations qui finissent mal. Que tu leur retournes devant un clochard. Ce n'est pas une histoire que machin. Tu dois arrêter de critiquer les gens. Oh, elle a pris l'argent. Oh. Elle a bénéficié d'un don. Elle a bénéficié d'un don d'un Européen qui lui a donné un don. Don d'argent. C'est ça qu'elle a bénéficié. Hein? Elle va vous raconter parce que je préfère faire les lives. Je ne sais pas si comme la semaine prochaine, on va lancer un direct avec elle dimanche. Mais on va le faire en live, comme j'ai l'habitude de le faire là. On va l'inviter, je sais pas, il faut quand même qu'elle invite quelqu'un qui est avec elle à la maison parce que à distance, on ne sait pas si elle va supporter le faire. Ou moi, je vais me déplacer. Franchement, parce que elle a besoin. Parce que le but, c'est, elle a ses biens. Elle a investi dans ce village-là et elle veut récupérer ses biens. Voilà, c'est le but du direct. Mais elle veut d'abord vous raconter tout ce qu'elle a subi. Je dors, je ronfle. Maman, quand ne vous mentez pas, hein. Quand vous entendez que Lolo pleure, moi,
quand on me regarde, c'est ma fille qui pleure. Maman, la liberté que notre maman, je suis au ciel. Je suis au ciel. Je suis. Je suis heureuse du Jésus jusqu'à cette femme-ci. Quand je vois, quand elle raconte encore son histoire, maman, je dis Seigneur, merci mon Dieu. Papa, même, il n'y avait même pas cette femme, mais pour elle, là, l'argent que cette femme-ci a perdu, vraiment, chère Camerounais, mes soeurs, arrêtez de critiquer les gens. Arrêtez de dire, ouais, donner l'argent à un homme. Moi, je ne peux pas donner l'argent à un homme. Vous êtes des menteuses. Quand tu aimes, tu donnes. Vous êtes des menteuses. Quand tu aimes, tu donnes. Tu donnes parce que tu veux le bien-être de ton partenaire. Tu veux le bien, tu veux qu'il soit aussi bien. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas voir la personne souffrir. Arrêtez. Déjà, les kings dans les réseaux sociaux, elle a pris l'argent ou elle a pris l'argent ou comment. En bain, on se bat. Il y a un gars que tu tombes sur un tu donnes même seulement 1 million d'euros. Il y en a qui. Elle vit à Monaco. Elle a eu un don. Elle va vous raconter son histoire. Elle n'a même pas encore commencé la moitié. L'histoire est tellement longue. Quand, savait que le, quand je passe, moi, je disais, elle me parle. Non, cette femme, elle est forte. Elle est forte. Elle se serait suicidée depuis. Elle est forte. Mentalement, elle est forte. Elle a le même mental que moi. Quand tu es l'enfant de Dieu, quand tu crois en Dieu, le Seigneur te donne une force. En toi, que toi-même tu demandes que j'ai pris cette force là-haut. Aucun ennemi ne peut me faire renverser. Rien ne m'affecte. Rien. Rien, ça a décidé qu'un. Hein. Maintenant, c'est le silence dans les réseaux sociaux. Tu ne m'adresses plus à personne. Tu ne dis plus rien. Je regarde avec les yeux. C'est comme ça. Oh, merci à DJ dit ça. Hein. J'ai dit que ma télévision est ouverte à tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Que je reçois tout le monde. Et chacun qui vient parler est responsable de ses dires. J'ai dit ça. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Voilà. Je ne suis pas là pour condamner les gens. J'ai dit que tous ceux qui viennent parler à ma télé, chacun est responsable de ses dires. Que la télévision est ouverte à tout le monde. Même si c'est le monsieur qui veut venir témoigner, il est ouvert. On va. Je ne vais pas refuser l'entrée de la personne. S'il veut venir parler, donner sa version, il sera reçu. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Non. Mais, voilà. Mais pour le moment, on s'occupe d'abord de notre sœur. Solidarité féminine pour une fois, mes sœurs africaines. Soyons solidaires. Soyons solidaires. C'est ça qui manque à la femme africaine. C'est ça qui nous manque. C'est ça que nos hommes nous piétinent. Nous avons affaire des hommes africains, la plupart. S'il y a 100 hommes africains, il y a 99 qui sont les pervers narcissiques. Parce que nous leur avons donné le bâton de nous bastonner. Donc, mes chers sœurs, il est temps que nous disons non à ces hommes-là. Il est temps que nous soutenons nos sœurs quand elles sont en dépression, qu'elles ont besoin de nous. Donc, quand j'arrive à la maison, dès qu'on finit avec elles ici, je vous appelle, pardon. Je vais retourner là-bas voir comment ça se passe à l'intérieur. Dès qu'on finit avec, je vais vous rappeler. Je vais relancer le live quand elles sont là-bas. Mais il faut d'abord que. Je vais aller intérieur parce qu'il fait très froid. Donc on se prend, non? Bisous les filles. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Non, mais sinon ça va. Hein? On va seulement s'occuper un peu d'elle. Dès qu'on s'occupe d'elle, ils vont. Je pense qu'ils vont pas la garder parce qu'ils ont dit que c'est juste. Par mesure de prudence, ils l'amènent quand même aux urgences. Ils vont regarder. S'il y a peut-être un médicament à donner, ils vont donner paix à rentrer. Donc tenez-vous tranquille, il n'y a rien de grave. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez à partager le message. S'il y a des personnes qui ont des relations au Cameroun ou peut-être des personnes qui peuvent interpeller les autorités pour cette affaire, pour que justice soit faite, faites-le. Pour que les deux personnes essayent de se rencontrer quelque part ou je ne sais pas, pour discuter, pour trouver une sortie dans la paix sur cette affaire. Parce que ces deux personnes qui se sont rencontrées, voilà. Tout ce qu'on demande, c'est qu'elle récupère ce qu'elle a. Elle a dans ce village-là. Et puis, chacun continue sa vie. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à demain. Non, à tout à l'heure. Parce qu'il fait froid. Je vais entrer. Je vais m'asseoir à l'intérieur. Il y a deux gars en Kassala. C'est comme s'ils veulent arracher mon sac. Bisous, bisous. Ça va aller.